Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 7, il est 10h35. J'ai terminé tout ce qu'il fallait que je fasse, montage, ménage, tout. Et là je suis en train de plier mon linge parce que j'ai 2-3 machines en retard parce que je ne l'ai pas fait hier. Voilà. Donc on démarre la journée avec un bon rangement aussi parce que pareil, hier j'ai juste passé un coup d'aspi. Et d'ailleurs, vous me demandez souvent comment je m'organise pour le ménage. Alors, en règle générale, vous le savez, je fais tous les matins mon ménage. Mais un jour sur deux, je fais juste l'aspirateur. Et le deuxième jour, je fais l'aspirateur laveur. Toujours le même, le Osotec, le H200. Je vous mettrai encore le lien en barre d'infos si vous êtes intéressé. Mais comme je vous ai dit, moi, quand je reçois un aspirateur laveur et que je vous le présente, je le teste à fond. Donc là, ça fait combien de temps que je l'ai maintenant? Ça va faire un mois et demi que je l'ai. Et franchement, j'utilise plus que celui-ci. Le Tineco, pour l'instant, je l'ai mis dans le garage en attendant. Et ouais, j'utilise celui-ci et franchement, je le trouve vraiment, vraiment top. Voilà. Quand on veut une alternative moins chère que le Tineco et qui fait exactement la même chose, voire même un petit peu mieux, c'est le Osotec qui prend le dessus. Franchement, il est vraiment bien. Donc ça, j'ai fait donc aujourd'hui nettoyage et tout, parce que hier j'avais passé, non, et encore je vous dis des bêtises, hier j'avais passé l'aspirateur laveur aussi, mais je sais pas, il y a que des allées et venues en ce moment dans la maison, donc forcément ça se salit. Et je sais pas, j'aime bien que ce soit clean à la maison. Vous le savez, Aria, elle pète le feu ce matin. Déjà hier soir, comme je vous ai dit dans mon vlog d'hier, si vous ne l'avez pas vu, je vous disais qu'elle pétait le feu, que ça va beaucoup mieux et qu'elle était voilà, requinquée, tout va bien. Donc ce matin, elle à l'école, elle était trop contente de venir le dernier jour. Nolan, c'est pareil, il a pu amener, vous savez, des jeux de société aujourd'hui. Donc il était trop content, il a amené un jeu de... Ah oui, il a amené le jeu Mashmo. En fait, quand il a commencé à venir et tout, il me dit « Ouais, j'amène ce jeu-là. » Et vous savez, Mashmo, c'est un genre de d'objet, vous le mettez dans la bouche, ça vous écarte les lèvres et ça vous montre que les dents, et vous devez essayer de dire le mot et faire deviner aux autres. Et au début, quand il nous amène ça, j'ai dit « Ouais, enfin, c'est un peu... c'est pas très propre d'amener ça et tout. » À l'école, comment vous allez faire, il faut le laver entre chaque tout ça. Il me dit, mais on a un lavabo dans la classe, etc. Je dis, bah écoute, oui, tu le vois, c'est comme tu veux, tu peux l'amener, mais bon, c'est pas très hygiénique, tu vois. Bon, bref, il voulait l'amener, donc bon, je l'ai laissé l'amener. Et il a aussi amené un autre mot, un autre jeu. C'est un jeu de, comme un genre de, comment dire, c'est des défis en fait. Et des questions à répondre. Et en fait, il y a de tout niveau. Il y a CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et en fait, il y a tout niveau confondu. Donc, chaque élève peut gérer les questions en fonction de leur niveau. C'est pas mal, ça, je trouve, pour justement des jeux pour l'école. Voilà, donc il était tout content de partir avec son petit sac de jeux, là. Aria, elle m'a aussi demandé si elle pouvait partir avec des jeux. Mais bah, le truc, c'est que je sais pas trop. Donc, bon, si je lui ai dit de demander à la maîtresse si elle pouvait ramener un jeu cet après-midi. Et au pire, elle viendrait avec un jeu cet après-midi, voilà. Donc bah, je suis contente quand même que ce soit la fin de l'école, qu'ils soient en vacances, ils vont pouvoir profiter et tout. Ça va être top. Et donc Nolan et Aria sont inscrits au centre aéré. On fait comme l'an dernier, on alterne en fait une semaine Aria, une semaine Nolan, une semaine Aria, une semaine Nolan, comme ça. Chacun tourne et chacun peut s'amuser au centre aéré parce qu'ils adorent y aller. Nolan qui est détesté à l'époque, quand j'étais employée, il aimait pas trop les centres aérés. Mais là, je sais pas, depuis qu'on est ici dans ce centre aéré, il aime bien y aller, il s'éclate quoi. Donc c'est cool, Aria, bah Aria, elle s'éclate tout le temps, elle. Donc c'est génial. Demain, Aria a un anniversaire, demain matin. Et le truc, c'est qu'on est de mariage demain après-midi. Donc elle a son anniversaire le matin. Ça va être un peu la course, je pense. Et normalement, elle devrait rentrer vers midi, je pense, ou un peu après, ou un peu avant, je sais plus. Donc bon, ça va, ça nous laissera quand même le temps de gérer pour manger, pour se préparer.
et pour y aller. Alors, ils ont le mariage, vous savez, d'abord à la mairie et après à l'église. Nous, on va aller quand ils sont à l'église, on va pas aller à la mairie parce que ça va nous faire trop tôt pour se préparer, tout ça, enfin, ça va être trop juste. Donc, du coup, on va aller à l'église, c'est à 16h30. Donc voilà, bon programme pour ce week-end, mariage, et dimanche, on va aller faire un genre de petit urbex. On emmène les enfants avec nous parce que c'est pas un urbex, comment dire, dangereux. Il n'y a rien de dangereux ni rien, donc on va prendre les enfants avec nous et on va se faire notre petite journée urbex. Bon, je sais pas si vous vous souvenez de la commande Zara que j'avais passée où j'avais eu le pull Daria complètement taché là. Je sais pas si ça va se voir en caméra. Je sais pas du tout, hein. Je sais pas si ça se voit. Bon, bref, en gros, il y a une tache là qui redescend comme ça. Et donc au début, je m'étais dit, bon, ben je vais renvoyer tout ça. Mais moi, j'ai une flemme pour tout ce qui est renvoi, machin, attendre, machin, tout ça. Donc, ça faisait quelques temps que j'avais remis le pull dans l'emballage, tout, et prête pour faire le renvoi, etc. J'avais pas encore fait la manip, vous savez, sur le site pour avoir l'étiquette, etc. Mais vu que ça fait déjà au moins une semaine, oui, bah oui, ça fait même une semaine et demie que ça traîne. Bon, j'ai dit non, laisse tomber, je vais pas le renvoyer, je vais essayer de le détacher. Mais en fait, j'ai peur que ça se détache pas parce que j'ai l'impression que c'est une tache comme de décoloration, en fait. Vous savez, le colorant qui colore du coup le pull a dû, je sais pas, bon bref. Je vais essayer avec celui-ci, donc c'est mon détachant favori de tous les temps, hein. C'est celui que j'utilise pour tout et n'importe quoi, ça détache vraiment absolument tout. J'ai aucune tache qui lui a résisté. Voilà, c'est le K2R Action Complète. Donc, ça va être compliqué en plus parce que du coup, on voit pas bien, mais je mouille déjà la tache. C'est vrai que mouillé, on le voit un peu plus quand même. Je vais mettre ça. On va voir si ça parle. Je vais laisser un petit peu agir. Le temps que ça agit, je vais nettoyer ma salle de bain. Enfin, la douche, parce que je viens de mettre du produit. Là. Ah, vous voyez dégouliner le produit, là. Voilà, j'ai mis du produit. Donc, je vais nettoyer ma paroi de douche, tout ça. J'ai une tête de folle, mais c'est parce que j'arrête pas depuis ce matin. Ménage à fond, rangement, linge, mes lessives, tout ça. Pour que ce week-end je sois tranquille, que j'ai plus rien à faire et que ce soit clean. Donc c'est pour ça que je m'active à fond. Là il est déjà 11h19. Il faut que j'aille chercher les enfants à 11h30. Donc je vais avoir même pas 5 minutes pour le faire. Donc je vais me faire ça en vitesse. Je vais détacher ça et je vais préparer à manger parce que ça, le repas, je l'ai toujours pas fait. Donc allez, je m'active. Bon, ça y est, j'ai récupéré les enfants. Désolée, hein, toujours pour ma tête de folle. Hier on n'avait pas vu. Ah, tu veux montrer? Oui. Attendez, elle veut vous montrer son collier. C'est vrai qu'on l'avait pas montré hier. Vas-y, montre. Parce que j'étais trop fatiguée. Ouais. Un petit cœur. Petit cœur rose. Oui, attends, t'approches pas trop, sinon on voit pas. Et en dessous là, totoche, on appelle ça. Une totoche. On appelle ça une totoche quand on était petite, nous. Et moi une tétine. Ouais. Tiens, laisse-le comme ça, on va montrer comment ça fait. Voilà, c'est un petit collier double. Regardez, il voit. Là, la petite tête. Ouais. Trop mignonne. Allez. Oui, donc je disais, faites toujours pas attention à ma tête. J'ai pas eu le temps encore de me coiffer. Je viens de recevoir une commande que j'ai passée sur le site de Choose. Vous devez peut-être en avoir marre, mais franchement, il y a toujours des pépites sur ce site. Et là, c'est la marque Wow. Je sais pas si vous connaissez, j'avais déjà testé les produits moi de cette marque là. C'est une marque hyper safe, naturelle, sans cochonnerie à l'intérieur et surtout aussi vegan et sans cruauté animale. Donc il y avait une vente privée comme toujours, donc c'est beaucoup moins cher quand vous passez par le site Choose. Par contre c'est des ventes éphémères, donc en fait quand je vous le dis, et si vous êtes intéressé, il faut directement aller dessus pour voir si ça vous intéresse ou pas. Parce que voilà, c'est des ventes éphémères, ça dure pas longtemps, etc. Par contre, la livraison a été super rapide, encore une fois, sur ça. Par contre, j'attends une commande. Ça fait longtemps que je l'attends, elle est toujours pas arrivée. Donc là, j'ai eu le numéro de suivi, mais elle est toujours pas envoyée. Bon, bref. Passons.
Comme toujours, je vous le répète, mais vous pouvez toujours bénéficier des 10 euros de réduction sur votre première commande. C'est-à-dire que si vous avez déjà utilisé mon code, vous pouvez toujours vous connecter avec une autre adresse mail et profiter une seconde fois de mon code des moins 10 euros sur votre commande. C'est quand même pas mal. Alors, j'ai commandé une huile pailletée. Ouais. Je voulais vraiment la tester de cette marque-là. Donc, alors, huile wow, nouvelle formule, huile sèche, scintillante, illuminatrice, nourrissante et bronzante. Alors, bronzante, c'est parce que je pense que ça fait un effet un peu bronzé sur la peau. Donc, scintillante, illuminante, nourrissante, visage, corps et cheveux. Toc, je regarde un peu pour les... Même sur les cheveux, c'est trop cool. Donc, je vais la tester tout à l'heure, je vais vous montrer ça en direct. Et j'ai pris aussi une petite eau de citron, une eau florale de citron. Purifiante et clarifiante. Oh, c'est chaud, que... c'est chaud. Ouais, c'est chaud, bah, c'était dans la boîte aux lettres, donc ça a pris... Donc c'est pour le visage, le corps et les cheveux. Et ça, je me suis dit que pour le matin, l'eau de citron au frais et tout, ça pourrait être vraiment agréable. Je vais essayer d'ailleurs. Je peux le casser. Je peux le casser, maman. Ça sent pas trop le citron. Si, moi je sens. Tu sens le citron, toi? Oui. Je sens pas trop le citron. Oh, c'est vraiment léger, hein, par contre. Hein. On sent pas beaucoup, beaucoup. Hein. Mais ça fait du bien, ça. Mais moi, je sens beaucoup, beaucoup, maman. Tu le sens, toi? Oui. Allez, on va essayer la l'huile. On va se mettre ici, pour que vous ayez bien la lumière. Et pourquoi tu le fais maintenant, alors que tu dois emballer les cadeaux? Oui, je vais emballer les cadeaux. Oula, ah oui, c'est une huile. C'est gluant. Une huile bien liquide, quoi. C'est gluant? Non, c'est pas gluant, c'est de l'huile. C'est liquide. Est-ce que vous allez Pardon. Voir? Bah oui. Est-ce que vous allez voir? Attendez, parce que même moi, je vois pas les paillettes. Attendez, je vais en sortir un peu plus. Ah là on les voit. C'était le premier jet qui fait que. Là on les voit. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra, franchement là. Moi j'en vois une. C'est hyper subtil. Maman, quand j'ai fait ça. C'est trop beau, j'adore. Par contre, c'est super subtil. Hein. C'est trop beau, j'adore. Ça fait pas trop, vous savez, trop de paillettes et tout, grosse. C'est super beau. Ah, ça sur le bronzage, même sur les jambes et tout, ça va être super joli. Trop cool cette petite huile. Et comment elle sent? Ah bah elle sent le... Ça... J'ai l'impression que ça sent la fleur d'oranger. Trop beau. J'adore. Trop cool. Et c'est pas très cher hein, ces petits produits. Hein. Je crois que ça c'était 8 euros. Voilà. Bon, je vous retrouve dans la voiture. Il est 14h25. Il fallait que je fasse 3-4 petites choses. En l'occurrence déjà, aller poster mes... Enfin, deux colis Vinted. Donc ça c'est fait. Je viens de le faire. Et là, j'aimerais aller chez Picard chercher quelques petits trucs surgelés. Mais avant d'aller chez Picard, je vais d'abord aller dans un magasin là, bricolage, jardinage, etc. J'ai un petit truc à voir aussi. Et après, j'aimerais passer chez Ziman aussi pour me balader. Franchement, ouais, j'ai envie de prendre le temps. Bon, je sors du magasin de bricolage, jardinage. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Et en fait, à la base, je me suis dit, bon, je vais y aller. Mais je l'aime pas trop ce magasin. Vous savez, c'est le magasin où on avait été la première fois quand on voulait acheter le barbecue à gaz et qu'on avait trouvé une différence de presque 200 euros, je crois, sur un autre modèle. Enfin bon, bref. Et j'ai jamais vraiment aimé ce magasin. Mais bon, bref, il me fallait un truc précis. Donc, je voulais y aller, mais je n'ai pas trouvé. Là je vais faire un tour chez Ziman. Mais avant, je suis passée chez Action parce qu'il me fallait absolument du papier cadeau. Parce que quand je voulais emballer le cadeau ce matin du copain de Daria qui fête son anniversaire demain, je me suis rendu compte que je n'avais que des papiers, alors déjà que de Noël, mais de Noël, de princesse ou à paillettes. Voilà, donc bon, ouais, il fallait que j'en achète. Donc j'ai acheté un tout simple, qui fasse au minimum garçon, tu vois. Et ensuite, je suis tombée sur ça. Je suis tombée nez à nez sur ça. Je les ai jamais vus chez Action. Dites-moi si vous les aviez déjà vus, mais franchement, moi, je les ai jamais vus, sinon j'en aurais déjà pris 50. Du coup, là, j'en ai pris deux parce que je les connais pas, on va les tester.
Mais j'en ai pris deux parce que je suis presque sûre à 99% que je vais adorer. On va faire la déguste ensemble. Si c'est bien ce que je pense, c'est des morceaux de bretzel, vous savez, durs comme ça. Goût miel, moutarde et oignon. J'adore ça. C'est trop bon, ça je pouvais m'enfiler le paquet franchement. C'est vraiment trop bon. C'est chouette parce que c'est des petits paquets. Du coup à emporter en pique-nique et tout, c'est trop pratique ça. Trop bon. Ensuite, je suis tombée sur cette petite brosse. Ils disent que c'est une brosse 4 en 1. Qui fait... vous pouvez nettoyer, gommer, appliquer le masque, tout ça, tout ça. Là, il y a comme ça. Là, c'est pour le nez, je pense. Vous savez, pour frotter là, le nez. Et derrière, il y a ça. C'est en silicone. Et là, vous pouvez appliquer le masque avec. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'était 89 centimes ça. On va tester, je vous dirai ça. Ensuite, ah oui, il faut que je vous raconte. J'ai acheté un gros bidon de shampoing parce que je me suis rendu compte que Evan, avec ses trois pales aux cailloux, me piquait mon shampoing anti-démangeaison Bioderma qui m'a coûté, je crois que c'était 16 euros le bidon. Voilà, il me le pique, sauf qu'il n'a pas de démangeaison. Donc, je lui ai acheté un shampoing normal, quoi. Ensuite, j'ai repris des slips pour Raya parce qu'elle commence à être un peu juste. Et un lot de paires de sockets aussi. Voilà. Allez, je vais chez Ziman. Bon, Ziman, franchement, rien d'intéressant. Truc de fou, il y avait... Mais en ce moment, je trouve qu'il n'y a plus rien du tout chez Ziman. J'ai juste trouvé un t-shirt pour Evan. J'espère qu'il va l'aimer. Parce qu'il est très 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 compliqué en ce moment avec les t-shirts. À chaque fois que je lui ramène un et qu'il me dit oui oui il est beau, en fait il le met jamais. Et après je me dis à chaque fois je ne lui en rachèterai plus jamais. Genre je lui en rachèterai plus jamais moi-même. Genre je lui en achèterai mais que quand il sera avec et pour me dire lequel il veut machin. Mais je me dis à chaque fois ça et à chaque fois je craque. Parce que celui-là, je le trouve trop mignon. Et il adore les tacos. Il est fan de tacos. Donc, devant, il est comme ça. Et derrière, regardez-moi ça. Il est trop beau. Enfin, moi, je le trouve trop beau. Et du coup, il était en solde. À la place de 6,99€, il est passé à 3€. J'espère qu'il va aimer. Normalement, oui. Il aime bien ce genre de truc. Il a encore... il a encore certains goûts que moi, j'aime bien, qu'il aime. Vous voyez ce que je veux dire, il a encore, on a encore certains goûts qu'on aime bien en commun. Donc, ça devrait aller. Alors lui, le problème en ce moment, c'est qu'il aime beaucoup les marques. Mais bon, on va voir. Je vous dirai ça en rentrant, s'il a aimé ou pas. Voilà. Bon, ça y est, je suis rentrée depuis environ une petite demi-heure. J'ai tout rangé. Je suis passée vite fait chez Carrefour aussi. Il me fallait du lait. Donc, j'ai vu une offre d'ailleurs. 10 bouteilles de Lactel. J'ai payé 11€. Voilà, je trouvais que ça allait pour 10 bouteilles. Qu'est-ce que j'ai pris de plus? Oui, j'ai pris. Ah oui, j'ai pris des buns à la boconnaise. Si vous avez la ref, mettez-moi un pouce vers le haut pour les enfants parce qu'ils adorent ça. Donc j'ai repris des buns et voilà. Là, je vais faire un cake, enfin des mini cakes parce que ce soir on est invité. Donc je vais faire des mini cakes tomates séchées, olives et mozza. Et on fait ça ensemble.
Bon, du coup, je vais vous clôturer là. Il est 19h15. On part chez nos amis. Les petits cakes sont ici. J'ai essayé, quand j'ai pris ma douche tout à l'heure, j'ai essayé la brosse. Vous savez que j'ai pris chez Action tout à l'heure, là, enfin cet après-midi, la brosse pour nettoyer le visage. Franchement, elle est trop bien. Elle fait un effet, du coup, un peu gommage. Elle est vraiment cool. Franchement, je regrette pas l'avoir achetée. Ça nettoie bien en profondeur, etc. Donc, bah écoutez, je suis super contente de l'avoir acheté. Et voilà, j'espère qu'autrement, le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.